En ce mois de janvier 2024, Bertrand Chameroy vous donne rendez-vous chaque vendredi en deuxième partie de soirée avec son émission Bertrand n'a pas sommeil sur France 2. Pour la première fois depuis son passage dans Boffny sur W9 en 2016, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste est seul aux commandes de cette nouvelle émission. 4 épisodes de Bertrand n'a pas sommeil ont été enregistrés et seront diffusés chaque semaine entre 22h45 et minuit. Mais comment le premier épisode a-t-il été accueilli? Le vendredi 5 janvier, Bertrand Chameroy recevait sur son plateau Manu Paillet, François Berléand, Isabelle Nanti et Christophe Willem. Sur les réseaux sociaux, les avis ont majoritairement été très positifs, et l'émission a séduit non seulement les internautes, mais également enregistré une audience moyenne de 813 000 téléspectateurs, soit 7,4% du public, selon Médiamétrie. Bien que ce score soit seulement correct, il est encourageant car il dépasse largement les audiences des deux vendredis précédents avec Mathieu Madénian et Nagui sur France 2. Ainsi, ce premier épisode constitue un pari réussi, mais l'avenir du programme ne sera décidé qu'après la diffusion des 4 épisodes. Malheureusement, certaines personnes ne perdent pas de temps et critiquent déjà l'animateur de « Bertrand n'a pas sommeil » sans attendre la fin du mois.